C'est ce qu'il ressort d'un communiqué transmis à l'AFP par l'avocat du fils du taulier. Après l'union sacrée durant les funérailles du chanteur, le fils aîné de la star a précisé par voie de communiqué, via son avocat maître Jean Veil, qu'il n'a ni contacté Madame Laetitia Hallyday, ni d'ailleurs été contacté par elle, durant le mois de janvier 2018. Ce n'est pas tout. Alors que la mère de Jade et Joie s'attelle, auprès de Yarol Poupeau et Maxime Luxi, guitariste du Taulier, à la réalisation de l'album posthume, le fils du rocker a fait également savoir qu'il ne souhaitait pas collaborer sur ce disque. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconscient et non de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, peut-on lire. Pour rappel, David Hallyday avait composé et co-réalisé 100% le 42e album studio de Johnny Hallyday, sorti en 1999. La mort du chanteur dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 a bouleversé la famille Hallyday, qui semblait très unie lors des cérémonies à Paris puis Saint-Barth, où est inhumé le rocker. Après la disparition de son père, il a naturellement mis un terme à toute opération de promotion de sa tournée signée début 2017, explique Théon. Les concerts reprendront en mars prochain, David Hallyday s'en est d'ailleurs réjoui via une publication sur Instagram.